Hello tout le monde, c'est Barton, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans le dernier... Non, c'est même pas le dernier mois du vlog, parce que c'est le dernier jour. Aujourd'hui, du coup, on est le 1er juin. Je rentre aujourd'hui, voilà, donc là, il est 1h05, je dois me lever à 5h. Très clairement, je pense que je vais faire une nuit blanche. Donc voilà, on est venu sur la dernière vidéo. Ça me fait bizarre de me dire que là, j'ai quelque chose à faire. Voilà, jusqu'à 5h, je dois dormir ou m'occuper. Et après, je rentre en France. Genre, l'Irlande, c'est fini, c'est... Ça me rend fou, genre moi je sais pas, j'ai l'impression que je vais encore rester là pendant un mois, deux semaines, etc. Mais non, je rentre aujourd'hui. Et donc c'est fou, donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pour voir comment ça s'est passé. Donc j'ai le bus à 6h40 et j'arrive à 10h55 à Dublin. Et après vers midi 55, juste comme ça, j'ai l'avion et je arrive à 16h en France. Donc à peu près 2 heures d'avion, mais avec le décalage ça fait 1 heure. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi. Aussi je pense que je vais vous emmener quand je reviendrai en France, que je verrai ma famille, et aussi quand j'ai prévu de faire une petite surprise à mon meilleur pote Véry. Voilà, en fait je lui ai fait croire que je rentrais le 3. Enfin je lui ai dit que je rentrais le 3 comme ce qui était prévu de base. Alors du coup j'ai contacté sa mère pour savoir si c'était possible de faire une surprise ou en gros le 2. Et ben j'arrive chez lui avant lui, il va dans sa chambre et il me voit, et donc du coup bah il a une surprise. Et donc je pense que je vais filmer ça pour le vlog ou pour les souvenirs tout simplement. Et donc voilà, donc là je vais m'occuper et puis bah à tout à l'heure. Bon, et ben là du coup il est 5h01 du matin le premier, et donc du coup bah là c'est bon, je dois aller c'est bon, donc là je vais aller prendre ma douche, je vais aller m'habiller, tout ça, je vais finir sur les valises. On va partir bientôt pour m'emmener du coup à l'arrêt de bus, et donc voilà, j'ai fait une nuit blanche. La journée risque d'être très longue, mais après bah les couilles, je voilà quoi. Bon voilà, c'est enfin la fin. Donc là vraiment j'ai fini de paqueter toutes mes valises, il reste juste 2-3 petites choses sur la table que je dois débarrasser, tout ça. Sinon la plupart des choses est rangée, et puis bah là du coup on va se diriger tranquillement vers le bus. Hop, c'est bon, donc là je suis dans le bus. J'ai dit au revoir à ma mère d'accueil, elle pleurait, elle était émue et tout ça, et donc du coup bah là j'ai 4 heures de bus, et puis bah on arrive à Dublin, je vais enregistrer les bagages, et puis je prends l'avion et hop je suis à l'avion. Donc ça prend un peu plus de temps, vous le verrez dans la vidéo. On est arrivé à l'aéroport. Bah du coup le bus ça s'est bien passé, ça a été long, c'était chiant. Mais là du coup je suis à l'aéroport, je vais aller enregistrer mes bagages. Et voilà. Ok, du coup c'est bon, là j'ai passé la sécurité. Du coup là je vais me rendre à la porte 302 du coup pour prendre l'avion. J'ai acheté une bouteille d'eau qui coûtait 4 euros, et un petit paquet d'M&M's pour le trajet. Et là du coup comme j'ai un peu de temps d'attente, je vais télécharger un film que je vais regarder. Je pense que je vais regarder un Marvel ou je sais pas quoi. Voilà. Et j'avais oublié à quel point l'aéroport ça pouvait être putain de grand. Là ça fait 5 minutes que je marche. Oh putain, il y a des avions. Et voilà, ouais, du coup bah là je vais me rendre à la porte comme j'ai dit précédemment. Et voilà. Hey, j'ai l'impression d'être un daron maintenant, je regarde les panneaux d'affichage. Ça va, le mien il est dans 1 heure à peu près. Genre il est à 13h30, et là il est midi 33. Donc j'ai à peu près 1 heure pour chiller tout ça. Donc je vais télécharger un film sur mon tel. Ok, donc là du coup j'ai trouvé un petit endroit où je peux m'asseoir, où je peux faire ma vie. Donc là du coup sur mon téléphone je suis en train de télécharger 8 Mile et Sinister. Voilà, donc c'est des petits films que j'ai regardé durant, durant le vol, et donc là je vais rester pendant à peu près 1 heure ici, donc voilà. C'est bon, je suis dans l'avion, donc là ce qui est cool c'est que je suis au bleu, c'est trop stylé. Donc là bon, je vais en avoir pour à peu près 2 heures, enfin 1 heure d'avion, mais du coup ça va sortir en 2 heures parce que c'est un décalage horaire. Et donc voilà, j'arrive pas à croire que c'est déjà fini et que je rentre en France, tout ça, et c'est fou, j'arrive pas à y croire. Ça me casse les couilles, le film s'est pas téléchargé. Donc là on va donc se décoller et j'ai arrangé moi tout seul. Personne n'a pas dit. Bien. Donc là on va bientôt décoller et le film il s'est pas téléchargé. Enfin, à moitié, j'aurais fait 10 minutes de téléchargement. Et là pour ceux qui ont été mêlés, il reste la bataille, enfin le battle de rap avec Papa Doc. Ça je sais pas, et ça c'est incroyable. Putain. Voilà. Et voilà. Thank you.
merci d'avoir suivi cette aventure. L'avis de Jupiter Bélier, enfin, avoir quelque chose à voir sur le YouTube, je vais accueillir quand je récupère une discussion sur un certain. Mais là, la plus grosse partie de mon développement de langue, c'est fini. Je rentre en France, et puis là, du coup, je vais recommencer à charbonner les vidéos. Deux vidéos tous les vendredis à 20h30. C'est fou. J'arrive pas à croire que c'est fini. Moi, je sais bien, ça va continuer longtemps, mais j'arrive pas à réaliser. Allez, au revoir. C'est bien passé, j'ai un peu mal aux oreilles, ça m'explose les tympans. Et donc là, je suis à l'endroit où j'attends mes valises. Donc voilà. Ok, donc là, je viens de récupérer mes deux valises, elles sont là, hop là. Et là, je vais voir mes parents. Comment ça va? Ça va le ref? Il découvre toute la supercherie, toute la surprise. Ouais, c'est juste. Alors, plus d'infos, je te reviens. Ça... Ouais, non. Donc là, on est jeudi 8 juin, et ça fait précisément une semaine que je suis rentré à la maison. Donc voilà, qu'est-ce qui a pu se passer pendant une semaine? D'ailleurs, le 2, j'ai pu faire une surprise à mon meilleur ami, il savait pas que je venais. Sauf que j'ai, comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de rush, parce que bah, sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton REC de la caméra, du coup ça a coupé l'enregistrement. J'ai trop le putain de seum. Et après, voilà, bah, du coup, cette semaine, bah, en vrai, j'ai commencé à bosser. Durant le mois de juin, je vais quand même beaucoup bosser. Et après, bah, du coup, pendant le mois de juillet, août, je suis complètement libre. Donc, du coup, j'ai passé tout mon temps à faire des vidéos et à faire des tests pour des montages, pour des effets spéciaux et tout ça. Et donc, voici mon planning durant les vacances. Du coup, bah, on se le dit en septembre pour une vidéo débrief de tout ça. Non, la semaine prochaine, il y a une autre belle vidéo sur débrief de l'année en Irlande. Voilà, avec les vidéos sur YouTube et tout ça. Du coup, là, durant le mois de juin, vous allez avoir des petites vidéos de débrief de tout ce qui s'est passé et tout ça. Et puis après, bah, du coup, le mois de juillet, août, et bah, du coup, il y a déjà toutes les vidéos qui sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les tourner, à les monter, mais bon, c'est rapide parce que j'aurai tout le temps pour faire ça. Du coup, j'ai déjà le planning jusqu'à octobre. Et donc voilà, et sachez qu'il y a des, quand même de putain de bonnes vidéos qui arrivent. Donc je suis très content, j'ai vraiment hâte de les tourner, de les monter et de vous les montrer. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi mon aventure en Irlande. C'était Bartoons, bye.